Hola les amis, qu'est-ce que tal? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous emmène en week-end à Sant Martí de Tous. C'est à côté d'Igualada, vous connaissez peut-être, donc en Catalogne. C'est à une bonne heure de Barcelone, dans la comarque de l'Anoia. Donc j'ai une amie qui vient me chercher dans quelques minutes et on part donc 2 jours à Sant Martí de Tous. On va passer la nuit dans une masia. Donc c'est une grande maison de campagne, une ferme bio qui s'appelle Can Aubareda. Et je les ai connus en fait cet été. J'étais en contact avec Audrey et Marty qui gèrent l'exploitation bio de la masia. Donc Audrey est française et Marty est catalan. C'est sa famille qui possède donc cette grande masia. Donc ça s'est transmis de génération en génération. Et c'est un endroit qui a l'air très authentique, avec beaucoup d'histoire. Donc je pense que ça va me plaire. J'ai vu qu'il y avait une très belle balade à faire juste à côté de la Masia. Et la chance qu'on a, c'est que ce week-end, donc le 12-13 novembre, c'est la Festa Major de Sant Martí de Tous. C'est la grande fête du village. Donc ça tombe vraiment bien. Et demain, à midi, il y a les Castellers. Les Castellers, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ces pyramides humaines de 6-8 étages. Donc c'est vraiment typique de la Catalogne. Et j'en ai pas vu souvent à Barcelone. Et voilà, demain c'est à midi, donc j'espère faire de belles vidéos pour vous montrer ça. Et j'ai également réservé à 14h aujourd'hui dans un restaurant que Audrey donc de la Masia m'a recommandé. Ça a l'air très très chouette. Je vais finir de préparer mon sac et je vais descendre pour retrouver mon amie. Oh la petite fille. Bon, moi je vais dire au revoir à mes chats. Je les revois dimanche soir. Voilà. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous mettrai le lien de la Masia Can Aubareda, du potager et des chambres d'hôtes. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Está muy alto. De ese concierto de verdad. El final de temporada del otro. Mira, ¿ves este? Bonjour. 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 Es que es precioso el gato. Señor gato. Non, oh. Tada ! On peut passer commande donc de fruits et légumes. C'est Marty donc qui gère l'exploitation bio qui envoie tous les dimanches un lien. Donc il suffit de s'inscrire à la liste de diffusion et vous choisissez vos fruits et légumes et vous les recevez soit à domicile à Barcelone, soit dans un point relais et vous payez quand vous recevez votre commande.
Et comme moi, je savais que j'allais venir à la Masia, donc aujourd'hui, je leur ai dit que j'allais récupérer ma commande sur place. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on a du raisin. On a du bon raisin. J'ai pris également des œufs de ferme, bien sûr. Oh, Mila, t'es chouli. Elles sont toutes petites. C'est local, hein. Il y a des poires également. Des pommes golden. Son golden, estas, non? Son pommes golden. Et des oignons. Es que me encantan estas zanahorias. ¿Le abrimos? Ça y est, le chat, il s'est tapé l'incruste. Sí. Yo pediré el menú de cap de semana, creo. Mira, dale vuelta. Me encanta esto. Esto está a tope. Vale, vale. Y como está la fiesta mayor también de... O sea, es un fin de... Brindamos. Salud. Te queda muy bueno, okay, de fuente bajo. Maravilloso. Chiquitito, pero. Sí, bueno, la también está la de. Qué bueno, gracias. Thank you.
Yo la tenía a medias. ¿Sí? ¿Cuál? Nuestro amiguito, le petit rouquin. No saben subir, pero no saben bajar. Ay. Hola. Por favor. Sí. No, perdona, de aquí. Ella aguanta. Y el tejado era antiguo, siempre había goteras. Y el tejado lo hice yo en el año 20. Y yo. ¿Es un poco? ¿La inventiva? No, y el Pinterest. Ah, el Pinterest. ¿Sabes dónde sí? Hola les amis, qu'est-ce que t'as ? C'est dimanche, on est en train de se promener autour de la Masia et ce matin on a fait une visite complète de la maison à Obareda avec le papa de Marty qui nous a tout expliqué, l'histoire de la famille, l'arbre généalogique, qui nous a montré les chambres. C'est vraiment magnifique, très très bien décoré. On a vu la piscine également. Merci au papa de Marty pour la super visite de ce matin. À midi on va aller voir donc Los Castellers à Saint-Marty de Tous, puisque c'est la festa major du village ce week-end. Et ensuite, avec mon ami, on va rentrer tranquillement à Barcelone. Et en chemin, on va s'arrêter voir une église abandonnée. J'ai vu ça sur Instagram, ça a l'air assez chouette comme endroit. C'est à Santa Perpetua de Gaia. C'est à 25 minutes de Saint-Marty de Tous. Et voilà le programme de la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Pero no, 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 es que lo bajaré, es que es un bebé. Voy a hacer un live, ¿vale? Está por aquí.
Thank you.